Sophie se promène sur une jetée. Elle aperçoit un joli bateau et décide de le peindre. Elle demande aux deux personnes qui se trouvent à côté « Qui est le propriétaire de ce bateau ? Je voudrais le peindre !» Sophie plaît à ces deux hommes et ils veulent l'impressionner. Alors ils crient tous les deux « Il m'appartient, bien entendu ! Peux-tu aider Sophie à découvrir le véritable propriétaire du bateau ?» Il y a une veste bleue sur le siège du bateau, et elle est de la même couleur que le pantalon du garçon de gauche. C'est donc lui, le propriétaire. Sophie a peint un magnifique tableau, et le propriétaire du bateau voudrait l'acheter. Il lui donne une boîte avec des pierres précieuses. Toutes sauf deux sont bleues, toutes sauf deux sont vertes, et toutes sauf deux sont rouges. Combien de pierres précieuses y a-t-il dans la boîte ? Notre ami a donné à Sophie un total de 3 pierres précieuses, une bleue, une verte et une rouge. Sophie rend visite à Paul chez lui et lui offre une pomme qui a l'air absolument délicieuse. Elle ne peut pas résister. Après avoir mordu dedans, Sophie s'aperçoit qu'il y a un ver dans la pomme. Paul s'excuse, mais Sophie dit « Ne t'inquiète pas, ça pourrait être pire. Peux-tu deviner ce qui pourrait être pire ?» Sophie aurait pu trouver la moitié d'un verre. Le lendemain matin, Sophie entre dans la salle de classe. Nina prétend qu'elle a peint ce portrait. Sophie, furieuse, lui dit « Tu es une menteuse, c'est mon œuvre !» Qui a peint le portrait selon toi ? Nina a signé l'œuvre dans le coin inférieur droit, mais regarde de plus près le coin inférieur gauche. On devine encore le nom « Sophie » sous une couche de peinture fraîche. C'est donc Sophie qui a peint ce portrait. Sophie apporte quelques-unes de ses œuvres les plus récentes dans une galerie d'art dans l'espoir de les vendre. Le galériste lui dit « Désolé, mais nous ne vendons que des peintures anciennes. Elles doivent avoir au moins 300 ans. » Sophie dit « Vous mentez » et s'en va. Peux-tu deviner pourquoi ? Jette un coup d'œil à cette peinture. Cette élégante dame de l'époque médiévale a une voiture de sport garée dans son jardin. Mike, le frère de Sophie, vit à la campagne avec sa femme. Sophie veut leur rendre visite le week-end prochain, mais cette semaine, la femme de Mike se sent très malade. Mike appelle Sophie et lui dit « Désolé, nous ne pouvons pas t'accueillir. Ma femme est malade, elle fait peut-être une crise d'appendicite. » Sophie répond « Ce n'est pas possible. J'ai moi-même emmené ta femme à l'hôpital il y a 2 ans. » et on l'a opéré de l'appendicite. Lors du diagnostic, on a découvert que la femme de Mike faisait bien une crise d'appendicite. Peux-tu expliquer ce mystère ? C'est tout à fait possible, car Mike s'est remarié entre-temps et a oublié de le dire à Sophie. Sophie se rend dans la salle de classe où elle trouve son professeur d'art, M. Wolf, étendu par terre et inconscient. Elle l'emmène à l'hôpital. D'après les médecins, il a eu une grave réaction allergique. Mais M. Wolf insiste, il n'a rien mangé de la journée. Sophie interroge toutes les personnes qui se trouvaient avec M. Wolf ce jour-là. La femme de ménage dit « J'ai nettoyé la classe le matin. Je n'utilise que des produits biologiques et anti-allergiques. » Nina dit « J'ai peint des vases dans la classe toute la journée. Monsieur Wolf était là aussi, mais je ne l'ai pas vu manger. » Et Paul dit « J'ai vu Monsieur Wolf à la bibliothèque tôt ce matin. Il avait l'air en pleine forme. Peux-tu deviner qui a causé la réaction allergique de Monsieur Wolf ?» C'est la femme de ménage. Elle utilise bien des produits anti-allergiques, mais elle a posé ses crayons dans un bocal contenant du dissolvant pendant qu'elle nettoyait son bureau. Plus tard dans la journée, M. Wolf a pris un de ses crayons, l'a mâchouillé et s'est intoxiqué. Sophie retourne à son école d'art pour préparer une exposition. Elle se tient au milieu d'une échelle afin d'accrocher une affiche sur le mur. Elle monte 6 échelons, mais soudain, l'échelle commence à chanceler, ce qui l'oblige à redescendre de 10 échelons.
Sophie demande à Paul de tenir l'échelle et elle grimpe 18 échelons jusqu'au sommet. Combien d'échelons cette échelle compte-t-elle au total ? Disons que la marche du milieu est X. Depuis la marche du milieu, Sophie monte 6 marches, ce qui correspond à X plus 6. Puis elle descend 10 marches et elle est maintenant à X moins 4. Après ça, Sophie monte de 18 marches et elle est maintenant à X plus 14, tout en haut de l'échelle. 14 marches depuis le haut plus 14 marches depuis le bas plus la marche du milieu, nous obtenons 29 marches. L'exposition se passe bien. Des centaines de personnes viennent la voir. Soudain, quelqu'un coupe le courant pendant quelques instants. Et quand la lumière revient, Sophie voit que sa sculpture la plus chère a disparu. Peux-tu l'aider à trouver le voleur ? C'est cette dame élégante sur la gauche. Son sac a l'air bien rempli maintenant, et elle le porte sur son autre épaule. Trois personnes abordent Sophie pendant l'exposition pour lui proposer une collaboration. Isabella lui montre la photo d'une belle villa sur son téléphone et lui dit « Jeune fille, vous devez venir me voir dans ma résidence en Italie cet été. Je suis prête à couvrir tous les frais. » Sébastien dit « Ma belle, j'aimerais acheter deux de tes peintures pour ma collection privée. Est-ce que tu acceptes l'échec ?» Et Tina dit « Mon nouveau livre sort cet automne. Est-ce que tu voudrais l'illustrer ?» Une seule de ces propositions n'est pas une arnaque. Peux-tu aider Sophie à trouver laquelle ? Il y a les collines d'Hollywood derrière cette villa. Elle ne se trouve donc certainement pas en Italie. Par conséquent, Isabella est une menteuse. Sébastien se comporte comme s'il était riche, mais en même temps, il essaie de voler le téléphone de Tina. Il s'agit donc probablement d'un escroc. Par conséquent, c'est la proposition de Tina que Sophie devrait accepter. Sophie touche son premier salaire et se rend à la bijouterie pour se faire plaisir. La propriétaire de la boutique, Maya, se plaint. « Il y a eu plusieurs vols dans ma boutique cette semaine. » Sophie propose de l'aider à trouver le voleur. Tout d'abord, elle regarde les vidéos des caméras de sécurité. Très vite, elle découvre qui a volé les bijoux. Peux-tu toi aussi voir qui c'est ? Cette dame cache les bijoux dans son parapluie. Lily avait des problèmes à la fac parce que ses capacités de raisonnement logique étaient faibles. Un jour, son professeur lui a dit « Je vais te donner une dernière énigme. Si tu échoues, je te renverrai de l'université. » Un fermier avait 17 vaches. Toutes, sauf 5, se sont échappées. Combien de vaches le fermier a-t-il maintenant ? Lily n'a pas réussi à donner la bonne réponse. Peux-tu le faire ? L'énigme dit que toutes sauf 5 se sont échappées, ce qui signifie que toutes les vaches se sont échappées excepté 5 d'entre elles. Donc le fermier a maintenant 5 vaches. C'est difficile parce que c'est trop simple. Le professeur a renvoyé Lily de l'université. Elle rassemblait ses affaires dans un dortoir et pleurait. Soudain, une lettre est entrée par sa fenêtre, comme poussée par le vent. C'était une invitation à étudier à l'école de magie. Celle-ci l'enjoignait de se rendre immédiatement à la bibliothèque. À la bibliothèque, Lily a rencontré un type bizarre qui ressemblait à un sorcier. Il a ouvert 3 portes magiques, mais une seule d'entre elles était sans danger. La première porte menait à l'intérieur d'un immense trou noir. La deuxième porte l'emmènerait en l'an 9999 et en passant la troisième porte, elle tomberait sur un groupe de fantômes. Si Lily choisissait le bon chemin, elle arriverait à l'école de magie. Quelle porte devait-elle choisir ? La troisième, les fantômes sont peut-être effrayants, mais ils ne sont généralement pas dangereux, tandis que les deux premières options sont bien trop risquées. Lily s'est retrouvée dans une magnifique forêt enneigée. Soudain, 4 garçons fantômes l'ont entourée et ont dit « Nous te montrerons le chemin de ta nouvelle école si tu nous dis lequel parmi nous n'est pas un vrai fantôme. Peux-tu aider Lily à trouver l'imposteur ?» C'est celui-là. Les fantômes ne respirent pas.
les fantômes ont emmené Lily dans un château. Lorsqu'elle est entrée dans le hall, quatre filles fantômes l'attendaient. Elles l'ont entourée et lui ont dit « Nous te montrerons le chemin du bureau de la directrice si tu devines laquelle d'entre nous n'est pas un vrai fantôme. » As-tu deviné ? Cette dame-là projette une ombre. Lily est entrée dans le bureau et elle a vu cinq fantômes. Ils lui ont posé la même énigme en lui promettant de lui montrer une porte secrète. Qui est l'imposteur cette fois ? C'est ce type-là. Les fantômes ne mangent pas. Lily a ouvert une porte secrète et a rencontré trois femmes. Mais une seule d'entre elles est la directrice. Peux-tu deviner laquelle ? C'est la deuxième femme. Sa veste est pendue à la chaise de la directrice. La directrice a salué Lily et lui a proposé de résoudre immédiatement une énigme. Il y a deux rangées de récipients de potions sur deux étagères. Lily doit déplacer un seul récipient de la rangée du haut pour qu'il soit dans le même ordre que les récipients de la rangée du bas. Peux-tu l'aider ? Verse la potion du premier récipient dans le quatrième récipient et déplace le récipient maintenant vide tout à fait à droite. La directrice a félicité Lily et l'a acceptée à l'école de magie. Puis, elle a demandé au fantôme de lui montrer le dortoir. Lily s'est endormie très rapidement, mais au milieu de la nuit, elle s'est réveillée car elle flottait dans l'air vers la fenêtre. Deux élèves lui avaient préparé une farce de bienvenue. Lily s'est retrouvée sur le toit d'un château. Les deux élèves masqués ont dit « Nous te libérerons si tu résous cette énigme. » Il y a quatre grenouilles dans la rangée verticale et cinq grenouilles dans la rangée horizontale. Lily doit faire en sorte qu'il y ait cinq grenouilles dans chaque rangée en ne déplaçant qu'une grenouille. Peux-tu l'aider ? Oui, comme ça, facile. Les élèves ont écrit cinq mots dans l'air à l'aide de leur baguette magique. Puis, ils ont demandé à Lily de jeter un coup d'œil aux mots et de trouver celui qui était le plus étrange. Peux-tu deviner duquel il s'agit ? Le mot réel n'a pas sa place ici car il ne forme pas un mot si tu le lis à l'envers. Les sorciers ont fait apparaître une porte et ont poussé Lily à l'intérieur. La porte magique l'a emmenée dans un sous-sol sinistre où Lily a trouvé trois portes. Derrière la première porte, il y a une jungle sauvage avec un gorille affamé. Derrière la deuxième porte, il y a une rivière avec des alligators fous qui n'attendent que de manger Lily. Et il y a un énorme cobra furieux derrière la troisième porte. Par quelle porte Lily doit-elle passer ? Elle doit choisir la première. Elle peut distraire le gorille avec toutes ses bananes. Le lendemain matin, Lily se rendait à son premier cours. Mais quelqu'un avait verrouillé la porte. En essayant d'entrer, Lily a trouvé une note sur laquelle il y avait une énigme. La note disait « Trouve un détail étrange et je te laisserai entrer. Peux-tu trouver le détail en question ?» Ce signe ici n'est pas un S. Lily a ouvert la porte et s'est retrouvée face à une autre porte avec une énigme similaire. Peux-tu l'aider ? Ce V n'a rien à faire ici. Il y avait une dernière porte avec une dernière énigme. Lily n'a mis que 2 secondes pour la résoudre et elle a pu entrer dans la salle de classe. Quel détail a-t-elle remarqué ? Celui-là ? Pendant le cours, le professeur a demandé à Lily de trouver 3 différences entre ces 2 photos. Peux-tu les voir ? Eh oui, les voici. Et dans ces images, peux-tu voir 3 différences ? Tiens, je ne m'y attendais pas. Peux-tu aider Lily à trouver 3 différences ici ? Bon boulot ! J'espère que tu les as toutes trouvées. Lily est arrivée dans la salle à manger pour le déjeuner. Des assiettes pleines de nourriture sont apparues dans l'air. Mais le camarade de classe de Lily, Mike, l'a prévenu qu'un seul plat était réellement comestible. Peux-tu aider Lily à trouver lequel ? Ces spaghettis ont l'air délicieux,
mais ils contiennent des clous rouillés. Cet aliment n'est même pas réel. Regarde, il est transparent. Cette salade contient des vers, mais ces tacos ont l'air plutôt bons. Après le déjeuner, Lily a eu un cours de botanique. La prof est allée dans le jardin pour cueillir des fruits sur un pommier afin de préparer une potion curative spéciale. L'arbre a 18 branches. Chaque branche a exactement 14 rameaux. Chaque rameau a 7 branchettes et chaque branchette a 2 fruits. Combien d'oranges la prof va-t-elle cueillir? Lily a instantanément donné la bonne réponse. As-tu deviné? La prof ne va cueillir aucune orange. Elle ne pousse pas sur les pommiers. Lily est allée cueillir des pommes avec Mike. Sur le chemin du retour, ils ont rencontré 4 de leurs camarades de classe. Il n'y avait que 5 pommes dans leur panier. Lily devait les distribuer équitablement entre les élèves, mais une pomme devait rester dans le panier qu'elle apporterait en classe. Comment peuvent être distribuées les pommes? Elle peut donner 4 pommes à ses camarades de classe et laisser une pomme dans le panier pour Mike. Puis, elle se rendra en classe avec lui. Le soir, Lily a trouvé une de ses colocataires inconsciente dans le jardin. La directrice a interrogé 3 suspects. Mike s'était couché tôt et un grand bruit l'avait réveillé. Léa regardait son émission préférée, elle n'était pas du tout sortie. Kelly sculptait des citrouilles pour décorer le salon et elle n'avait rien vu de suspect. Qui ment? On dirait que c'est Kelly qui ment. La pièce n'est pas décorée et les citrouilles ne sont pas terminées. Tom a décidé de prendre le bus pour arriver à l'heure au laboratoire. Mais dès qu'il s'est assis, il a remarqué un vampire parmi les passagers. Peux-tu toi aussi voir le vampire? C'est cette femme-là. Elle porte un grand sweat à capuche pour protéger sa peau sensible de la lumière du soleil. Cela ne signifie pas nécessairement qu'elle est un vampire, mais l'absence d'ombre, oui, c'est une preuve irréfutable. Lorsque Tom a voulu payer son ticket de bus, il s'est rendu compte qu'il avait oublié son portefeuille au café. Heureusement, le chauffeur lui a dit « Je n'appellerai pas la police si tu résous mon énigme ». Tom a accepté ce marché et a attentivement écouté l'homme. « Je fais du bruit quand je change. Après avoir changé, je suis plus grand, mais je pèse moins lourd. Que suis-je » As-tu deviné? Du pop-corn. Tom est revenu au café pour récupérer son portefeuille. Josh, le barman, lui a dit qu'il ne l'avait pas vu. Shelly, la propriétaire, a dit qu'elle avait vu un client suspect avec 2 portefeuilles. Et Bill, le client aux 2 portefeuilles, a dit que le 2e portefeuille appartenait à sa femme. Lequel d'entre eux est un menteur? Le barman. Regarde ses pieds. Il est debout sur le portefeuille de Tom. Shelly et Josh ne voulaient pas appeler la police et Tom a proposé de jouer à un jeu. Il a dit au barman « Je n'appellerai pas la police si tu résous mon énigme. Plus tu en fais, plus tu en laisses derrière toi. Qu'est-ce que c'est ?» Malheureusement, le barman n'a pas réussi à trouver la bonne réponse et est allé en prison. La bonne réponse est « des pas ». Tom n'avait plus beaucoup de temps et a décidé de se rendre au laboratoire en taxi. Mais son appli est devenue folle et a envoyé à Tom ce labyrinthe bizarre. L'instruction disait « Si tu veux connaître le numéro de plaque d'immatriculation de ton taxi, résous cette énigme. Peux-tu aider Tom ?» Si nous traversons ce labyrinthe du début à la fin, nous obtiendrons 517. Tom a trouvé son taxi et est parti. Le chauffeur s'est arrêté au milieu de nulle part et a sorti un gadget bizarre. Il a ouvert une porte qui a transporté Tom au sommet d'une montagne. Là, notre ami a rencontré son jumeau maléfique venu d'un univers parallèle. Et ce jumeau voulait la boîte. Tom est parti en courant et est tombé dans une grotte de glace avec 3 tunnels. Dans le premier tunnel, il y avait un puma affamé. Le 2e tunnel était rempli de chauves-souris qui se nourrissent de sang humain. Et une 12aine de sorciers maléfiques attendaient Tom à l'intérieur du 3e tunnel. Quel chemin devait-il choisir? Le 2e. Les chauves-souris dorment quand il fait jour.
Tom est arrivé à un petit village dans les bois et s'est caché dans une cabane. Mais il a ensuite remarqué quelque chose de très effrayant et s'est immédiatement enfui de ce village. Qu'a-t-il vu ? Ce gant là-bas n'est pas vraiment un gant. Cette cabane appartient probablement à des zombies, pas à des gens. Tom a trouvé une route, a arrêté un camion et a demandé au chauffeur de l'emmener à l'aéroport le plus proche. Mais l'homme a demandé à Tom s'il pouvait d'abord résoudre une énigme. « Je suis connu pour porter malheur lorsque tu me vois dans l'obscurité. Je n'aime pas la pluie, mais une chose est sûre, tu ne m'entendras pas aboyer. Qui suis-je ? » Que doit répondre Tom pour payer son voyage ? Un chat noir. À l'aéroport, Tom a essayé d'acheter un billet d'avion pour retourner à New York, mais il n'avait pas assez d'argent. Soudain, Lily, une célèbre blogueuse et influenceuse, a invité Tom dans le salon de la classe affaires. Elle fêtait son anniversaire avec ses amis. Malheureusement, leur couteau magique ne pouvait couper que 3 fois. Ils ne savaient pas comment diviser le gâteau en 8 parts. Sais-tu comment faire ? Tout d'abord, il faut couper le gâteau en 2. Puis il faut couper une seconde fois afin qu'il y ait 4 parts égales. Enfin, il faut couper le gâteau latéralement par le milieu afin qu'il y ait 2 couches. Maintenant, tout le monde a une part, sauf Tom. Mais Lily lui a fait un cadeau plus généreux. Elle lui a acheté un billet pour New York. Finalement, Tom a réussi à apporter la boîte mystérieuse dans le laboratoire abandonné. Il a remarqué une porte en métal et a essayé de l'ouvrir. Mais la porte était verrouillée. Un signe rouge est apparu sur un petit écran à côté de la porte. Il fallait donner un mot de passe. Il y avait un indice sur le mur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Peux-tu aider Tom à déchiffrer le code ? Il y a 17 espaces. Après avoir lu le numéro à voix haute, tu comprendras. Tape le numéro 2, puis le numéro 4, 3 fois, le numéro 6, 5 fois, et après cela, il faut 7, 8. Voilà. La lumière est passée au vert et Tom est entré dans la pièce. Un scientifique a accueilli Tom à l'intérieur du laboratoire. Il a verrouillé toutes les portes dès que Tom est entré, puis a dit à Tom « Tu ne vas aller nulle part tant que je ne suis pas assuré que la boîte est conforme à ce que l'on attendait. » Mais la boîte était vide. Le scientifique furieux a invité Tom à choisir entre 3 possibilités dangereuses pour pouvoir s'échapper. Il y avait une pièce avec un sol mouillé et des fils électriques arrachés derrière la première porte. Des monstres affamés attendaient derrière la 2e porte. Et il y avait un portail menant à un espace ouvert derrière la 3e porte. Quelle porte Tom devait-il choisir pour survivre ? La première, les fils ne touchent pas le sol et il peut facilement passer en dessous. Le scientifique était satisfait et a confié à Tom qu'il avait inventé des pilules d'immortalité. Il a promis de les lui donner s'il réussissait à choisir la bonne boîte. Il y avait 3 boîtes et une seule d'entre elles contenait les pilules. Chaque boîte avait une affirmation sur elle, mais seule une affirmation était vraie. Peux-tu aider Tom à savoir où se trouvent les pilules ? Si les pilules étaient dans la 1ère boîte, il y aurait 2 affirmations vraies. Et si les pilules étaient dans la 3ème boîte, il y aurait également 2 affirmations vraies. Mais comme il ne nous faut qu'une seule affirmation vraie, les pilules ne peuvent être que dans la 2ème boîte. Kim et Audrey sont meilleures amies. Elles ont décidé de passer les vacances d'été en Italie ensemble. Elles ont eu beaucoup de chance de trouver des billets d'avion pas chers. Leur vol est à 10h. Malheureusement, lorsque les filles arrivent à l'aéroport, elles réalisent que ce n'est pas le bon. Maintenant, elles ont 2 options. Prendre un train à grande vitesse à 100 € pour se rendre au bon aéroport ou rester là et acheter des billets pour un autre vol à 400 €. Que doivent-elles faire ? Elles doivent opter pour la 2ème option. Regarde l'horloge sur le mur, il est 9h55 du matin. L'embarquement pour leur vol est déjà terminé. Elles n'y arriveront pas même si elles prennent un train à grande vitesse. Kim et Audrey achètent donc de nouveaux billets. Elles vont au restaurant de l'aéroport pour boire un café. Mais un détail bizarre attire l'attention de Kim. Elle suggère qu'elle devrait quitter cet endroit le plus vite possible. Qu'est-ce que Kim a vu ? Cette femme est un zombie.
comment a-t-elle réussi à passer la sécurité? Lorsqu'il est enfin temps d'embarquer dans l'avion, il s'avère qu'il n'y a plus de siège en classe économique. On propose à Kim et Audrey de voler en classe affaires. Une fois à l'intérieur, les filles voient trois personnes. Lorsque l'hôtesse de l'air leur sert du jus de fruits frais, elle leur chuchote que Kim et Audrey sont extrêmement chanceuses. Elles sont sur le point de voyager à côté d'un célèbre milliardaire italien. Peux-tu deviner lequel de ces passagers est le milliardaire ? Cette élégante femme est une sérieuse candidate, mais il est très peu probable qu'une milliardaire porte un manteau 100% polyester. Le costume d'affaires de ce type est très élégant, mais regarde ses chaussures, elles semblent assez bon marché et usées. Ce drôle de monsieur doit être le vrai milliardaire. Bien que sa tenue soit plutôt décontractée, sa montre en or semble très coûteuse. La femme commence à discuter avec Kim et Audrey. Elle leur dit qu'elle a récemment visité une île exotique avec ses amis. Puis elle montre quelques photos aux deux filles. Lorsque la femme va aux toilettes, Audrey chuchote à Kim « Cette femme est une menteuse, elle a photoshopé cette image. » Comment Audrey a-t-elle su cela ? Tout est dans les ombres. Elles ont toutes l'air naturelles, sauf celle-ci. La femme prend une gorgée de son jus et se met à tousser. Soudain, elle s'évanouit et tombe dans les bras du milliardaire. Il s'apprête à crier à l'aide, mais Kim l'arrête, affirmant que la femme fait semblant. Comment a-t-elle su cela ? Regarde le contenu de son sac. Il est plein de photos du milliardaire et d'articles de magazines sur lui. Elle a aussi un tatouage avec son portrait sur sa cheville. Cette femme est obsédée par lui. C'est l'heure du déjeuner et le milliardaire propose à Kim de jouer à un jeu. Il lui présente trois boîtes. L'une d'entre elles contient un repas. Il y a une phrase sur chaque boîte, mais une seule d'entre elles est vraie. Peux-tu aider Kim à trouver quelle boîte contient de la nourriture ? Si la nourriture est dans la première boîte, il y a deux affirmations vraies. Et si la nourriture se trouve dans la troisième boîte, il y a également deux affirmations vraies. Mais il faut qu'une seule des affirmations soit vraie. C'est pourquoi la nourriture ne peut être que dans la deuxième boîte. Kim ouvre la boîte et y voit un délicieux repas et une carte bancaire. Le milliardaire dit « Félicitations, vous avez gagné 5 millions d'euros. Profitez bien de votre voyage !» Kim et Audrey atterrissent à Rome et vont chercher leurs bagages. Il s'avère qu'Audrey a la même valise que deux autres passagers. Et ils ont une querelle à ce sujet. Peux-tu aider à répartir les trois valises entre leurs propriétaires ? La première valise appartient à cette femme. Elle est couverte de poils de son chien. La deuxième valise a quelques traces d'un autocollant en forme d'étoile. Tu l'as sûrement déjà remarqué sur le sac d'Ashley. Et la troisième valise appartient à cet homme. Comme Kim et Audrey sont maintenant très riches, elles décident de trouver un agent immobilier qui pourrait les aider à louer une villa de luxe afin d'y passer leurs vacances. L'agent leur fait visiter trois maisons. Peux-tu aider les filles à choisir la meilleure ? Il y a des cafards dans la première maison. Ils ne feront pas de très agréables colocataires. La deuxième est trop vieille. Il y a une fissure dans le mur, ce qui ne semble pas très sûr. Et la troisième maison a l'air plutôt bien. Quant à la piscine, elle peut être facilement nettoyée. Kim et Audrey quittent la villa et vont faire du tourisme. À leur retour, elles découvrent que quelqu'un a volé leur passeport dans le coffre-fort. Les filles appellent la police qui interroge trois suspects. Le cuisinier dit qu'il était trop occupé à préparer le dîner pour Kim et Audrey. L'agent d'entretien s'occupait de la piscine toute la journée. Et le jardinier dit qu'il était sorti pour planter des fleurs. Il n'a rien remarqué de suspect. Qui ment ? Le jardinier. S'il a planté les fleurs, où sont-elles ? La police rend à Kim et Audrey leur passeport et arrête le jardinier. Le lendemain, les filles vont faire du shopping. Les vendeurs cherchent à profiter de ces touristes riches et naïves et leur proposent des souvenirs hors de prix. Seul un de ces trois articles est une bonne affaire. Peux-tu deviner lequel ? Regarde ce masque vénitien. Il est écrit « Made in China », ce qui signifie que ce n'est pas un vrai. Cet aimant est de très mauvaise qualité. Le mot « Italie » comporte une faute d'orthographe. Il ne peut pas coûter 100 euros. Ce fromage bleu n'a pas l'air très frais, mais c'est normal pour ce genre de produit.
Cet article est le seul que Kim et Audrey peuvent acheter ici à un prix correct. Les jeunes femmes se rendent au musée local et se perdent dans ses couloirs. Elles trouvent un sous-sol étrange avec trois portes. Derrière la première porte se trouve un portail temporel vers le Moyen-Âge. Derrière la deuxième, il y a une momie maléfique qui maudit tous ceux qui la dérangent. Enfin, la troisième porte est protégée par un système d'alarme laser. Elle coupe tout ce qui touche les faisceaux laser. Quelle porte les filles doivent-elles choisir ? La deuxième. La momie dort paisiblement dans son sarcophage. Si Kim et Audrey sont silencieuses et ne s'approchent pas trop, elles peuvent simplement passer devant elle. C'est la nuit et il fait froid. Les rues de la ville sont sombres, les lumières des voitures éblouissantes, des sirènes retentissent, les voix résonnent, l'air est frais, l'asphalte humide. Es-tu prêt à débarrasser la ville du crime qui la ronge ? Alors n'oublie pas de compter tes bonnes réponses. Le 4 novembre 2021. Cela fait 3 jours qu'il pleut. Mais même cela ne suffit pas à laver toute la saleté de la ville. Depuis plusieurs heures, le détective cogne dur est assis dans sa voiture près de la maison d'une star d'Hollywood. Le détective est sûr que quelqu'un va cambrioler sa maison. L'actrice n'y croit pas. Au loin, il voit un homme grand qui porte un chapeau. Il s'approche de la porte et frappe. L'actrice ouvre et salue l'étranger. « Oh pardon, je croyais que c'était ma maison », dit-il. Elle lui ressemble beaucoup. L'actrice ferme la porte et l'étranger s'en va. Le détective sort de la voiture et l'arrête car l'homme est un voleur. Comment le détective en est-il si sûr ? Si l'étranger avait vraiment cru que c'était sa maison, il n'aurait pas frappé à la porte. Il aurait utilisé sa clé. Le détective emmène le voleur au commissariat. La pluie a enfin cessé. La nuit promet d'être longue. Alors le détective va s'acheter un café. À ce moment-là, la radio signale un incendie criminel au sud de la place centrale. Pas le temps de prendre un café. Cogne dur appuie sur le champignon et se rend sur place. Il remarque les flammes de loin. Deux maisons sont en train de brûler. Notre détective voit plusieurs autres voitures de police. Un policier lui dit qu'une des maisons appartient à un riche homme d'affaires. Il y a beaucoup d'argent à l'intérieur. Le propriétaire de la deuxième maison est un artiste fauché. Ses peintures sont en train de brûler. Dans quelle maison le détective se rendra-t-il en premier pour éteindre l'incendie ? Il n'est pas pompier. Il ne s'approchera donc d'aucune des deux maisons. Après avoir regardé les flammes pendant un moment, le détective cogne dur monte dans sa voiture et s'aperçoit qu'il n'en peut plus. Il a besoin de dormir. Il ne veut pas rentrer chez lui car sa maison lui rappelle une femme. Et il ne veut pas y penser en ce moment. Il décide donc de louer une chambre d'hôtel. Il demande au gérant de l'hôtel de le réveiller à 7h du matin. Bien sûr, répond l'homme. Mais n'oubliez pas de m'appeler avant. Je viendrai vous réveiller après m'être levé. Un seul appel suffira. Que doit faire le détective pour que ce fainéant vienne le réveiller ? Il peut programmer un appel automatique pour 6h50. Le détective entre dans sa chambre et s'écroule sur le lit. À ce moment, la porte commence à s'ouvrir lentement. Les visages des personnes qu'il a envoyées en prison apparaissent dans l'obscurité. Le détective se redresse sur le lit et la porte se referme en claquant. Au début, cogne dur ne comprend pas ce qui vient de se passer. Mais ensuite, il soupire soulagé. Ce n'était qu'un cauchemar. Comment l'a-t-il compris ? Il fait déjà jour dehors. Il faisait nuit quand le détective est arrivé à l'hôtel. Cela signifie qu'il dormait. Nouvelle journée, nouvelle affaire. Le détective se rend à la campagne. Une fille y a disparu. Cogne dur a bien l'intention de la retrouver. Il arrête sa voiture près de 3 maisons. Elle se trouve au bord de la plage. 3 chemins mènent aux maisons. Sur le premier, il y a des pierres tranchantes et des éclats de verre. Le deuxième chemin grouille de serpents. Le troisième est recouvert de lave bouillante. Quel chemin le détective doit-il choisir ?
l'océan va bientôt refroidir la lave et la transformer en pierre. Le détective suit le troisième chemin. Il entre dans la maison et y trouve la jeune fille disparue. Elle avoue qu'elle est restée tard à une fête. Sa mère était si inquiète qu'elle a appelé la police. Le détective Coindur arrive dans un immeuble de bureaux du centre-ville. Il se rend au dernier étage. Un riche banquier est allongé là, inconscient. Quelqu'un l'a frappé à la tête et a volé des documents importants dans son coffre-fort. Il y a un magnétophone sur le bureau du banquier. Le détective l'allume. La voix du banquier sort du haut-parleur. « Mon neveu, il m'a appelé il y a quelques minutes et m'a dit qu'il allait s'introduire dans mon bureau pour prendre mes documents. Je ne sais pas quoi faire. S'il m'arrive quelque chose, vous devez savoir que c'est la faute de mon neveu Michael. Oh non, j'entends les portes de l'ascenseur s'ouvrir. Je crois que c'est lui. Il est là. » L'enregistrement prend fin. « Nous devons retrouver ce neveu, » dit un des agents de police. « Je ne crois pas. Le neveu n'a rien fait de mal. L'homme voulait seulement le piéger. » répond Coindur. Comment le détective a-t-il compris cela ? Quelqu'un a rembobiné la bande dans le magnétophone jusqu'au tout début. Il est peu probable que le neveu l'ait fait. Il se serait plutôt débarrassé du magnétophone. Le détective quitte le bureau, entre dans l'ascenseur et rencontre un vieux concierge. Ils descendent très lentement. Le concierge regarde attentivement les boutons. Le détective lui demande « Quel est le problème ?» Le concierge répond que 5 personnes vivent au 35e étage. 3 vivent au 20e étage. 4 personnes vivent au 7e étage. Et 7 personnes vivent à tous les autres étages. Le bâtiment compte 40 étages au total. Le concierge demande « Sur quel bouton de l'ascenseur appuie-t-on le plus souvent ? Quel est votre avis ?» La réponse est le bouton du rez-de-chaussée. Tous les résidents appuient dessus. Tu as passé plusieurs jours dans la jungle à la recherche d'un objet antique. Tu as une lance, une bouteille d'eau et une lampe de poche. Tu gravis une colline et tu regardes la forêt tropicale. Tu entends le bruit des branches qui craquent en bas. Et tu remarques un lion. Que vas-tu faire ? Utiliser ta lance ? Crier pour faire fuir l'animal ? Ou est-ce que tu devrais plutôt lui donner de l'eau ? Décide-toi, le temps presse. Tu as remarqué le lion, mais qui a dit que le lion t'avait remarqué ? Attends simplement qu'il s'en aille. Un vieil homme est assis dans un hall avec de jeunes étudiants. Il peut à peine voir l'enseignant qui vient d'entrer dans le hall. Le professeur regarde attentivement tous les élèves et les informe qu'ils ne doivent répondre qu'à une seule question pour réussir leur examen. Il sort une boule de billard brillante de sa mallette et la pose sur la table. « Prouvez-moi que cette boule n'existe pas », dit le professeur. Les élèves n'ont que quelques heures pour réfléchir. Ils écrivent tous leurs réponses sur un morceau de papier et presque tous reçoivent une mauvaise note. À la fin, le vieil homme qui a la vue faible s'approche du professeur. Il lui donne un papier avec seulement 2 mots dessus. Le professeur donne à ce vieil homme la meilleure note. Qu'est-ce qui était écrit sur sa feuille de papier ? Quelle boule a écrit le vieil homme ? Maintenant, tu es dans un donjon sombre. Tu cherches un loup-garou pour le vaincre. À ce moment-là, ta torche s'éteint. Tu entends un grognement derrière toi. Tu prends peur. « Je suis désolé, monsieur le loup-garou », dis-tu en te précipitant vers la sortie aussi vite que possible. Tu sors en courant du donjon et tu te retrouves dans un champ. 3 chemins se présentent à toi. Une fosse avec des pieux, une route avec des scorpions et un lac empoisonné. Par où vas-tu passer ? Est-ce que tu vois un chapeau sur l'eau dans la partie droite du lac ? Cela signifie que le lac est gelé. Cours dessus. Dès que tu as traversé le lac, tu vois un petit chiot qui sort du donjon. Il aboie après toi et retourne en courant dans le donjon. Tu te trouves dans une vieille taverne. Il y a des voleurs, des magiciens et des pirates tout autour de toi. Le jeune magicien pose une petite boîte sur la table et il dit « Il y a 3 centimes à l'intérieur, mais seulement 2 pièces. L'une d'entre elles n'est pas une pièce d'un centime. Comment est-ce possible ? Quelle pièce se trouve dans la boîte ?
il y a une pièce de 2 centimes et une deuxième pièce d'un centime. Le magicien a dit qu'une seule des deux pièces n'était pas une pièce d'un centime. Tu te promènes dans une forêt sombre et tu remarques une porte. Elle est juste là, avec rien autour. Tu l'ouvres, tu fais un pas et tu te retrouves dans un merveilleux monde rose. Il y a des rivières roses et des arbres roses. Tu vois une maison rose de plein pied et tu entres à l'intérieur. Tous les meubles sont roses. Un chat rose se promène en miaulant. Tu t'engages dans le couloir jusqu'aux escaliers qui mènent au premier étage. De quelle couleur est cet escalier ? Il n'y a pas d'escalier dans la maison. C'est un bâtiment de plein pied, tu te souviens ? Avec des centaines d'autres fermiers, tu erres dans le désert. Tu as perdu tes récoltes à cause de la sécheresse, il n'y a presque plus d'eau. Tu te diriges vers la mer pour commencer une nouvelle vie. Mais à ce moment-là, les nuages commencent à s'accumuler au-dessus de la plaine. Il y a des éclairs dans le ciel noir et une pluie diluvienne s'abat sur les terres. Les gens crient de joie et dansent sous la pluie. Au bout de quelques secondes, tu es trempé jusqu'aux os et tu as froid. Tu regardes la foule de gens trempés et tu remarques un homme parmi eux. Malgré la pluie battante, pas un seul de ses cheveux n'a été mouillé. Comment est-ce possible ? Cet homme est chauve. Tu te réveilles à l'intérieur d'un avion en entendant un bruit de moteur. Tu ne te souviens pas comment tu es arrivé ici et tu n'as aucune idée de ce qui se passe. Tu te lèves de ton siège, mais tu ne trouves personne d'autre dans l'avion. Tu t'avances, tu regardes dans le cockpit et... Oh non, il n'y a pas de pilote. Tu cherches un parachute autour de toi, mais tu n'en trouves pas. Tu regardes par la vitre et tu décides de tenter le tout pour le tout. Tu ouvres la porte de secours et tu sautes de l'avion. Tu atterris sur de l'asphalte, indemne. Comment cela est-il possible ? L'avion n'a pas décollé. Il est immobile sur le tarmac. Tu conduis une voiture en regardant nerveusement dans le rétroviseur. Personne ne semble te suivre. Il y a des nuages et ni les étoiles ni la lune ne sont visibles. La route semble vide. Tu conduis avec tes phares éteints. Personne ne devrait te remarquer. À ce moment-là, une vieille femme habillée d'un costume noir traverse la route. La lune ne brille pas. Les phares sont éteints. Elle est habillée de noir. Mais tu ralentis, tu arrêtes la voiture et tu laisses la vieille dame traverser la route. Comment as-tu fait pour la voir ? Personne n'a dit que c'était la nuit. Tu conduisais l'après-midi. Tu es en train de grimper au sommet de la plus haute montagne de la planète Flizilium. Tu es la première personne de l'histoire qui réussisse à le faire. Une fois que tu auras atteint le sommet, tu recevras un prix en espèces de la Fédération Galactique du Tourisme. La planète entière est couverte de neige et de glace. Il fait très froid, tout est sec et sans vie. Le seul endroit avec de l'herbe verte et de l'air tiède est le sommet vers lequel tu te diriges maintenant. Épuisé, tu atteins enfin ton but et tu t'écroules par terre. Cependant, la Fédération Galactique du Tourisme refuse de te remettre la somme promise. Pourquoi ? N'as-tu pas remarqué des traces de pas dans l'herbe ? Cela signifie que quelqu'un était là avant toi. Une fille entre dans un vieux magasin d'antiquités. Sa bouche est recouverte de rubans adhésifs, mais cela ne la dérange pas. Elle s'approche du vendeur et essaie de lui communiquer ce dont elle a besoin en faisant des gestes. Elle enfonce son doigt dans son oreille gauche et met son poing contre son oreille droite. Puis, elle commence à faire tourner son poing. Le vendeur comprend que la fille veut acheter un taille-crayon. Elle paie et s'en va. Puis, un homme avec un bandeau entre dans le magasin. Il veut acheter des ciseaux. Comment doit-il expliquer cela au vendeur ? Il peut simplement le dire. Il a un bandeau sur les yeux, pas sur la bouche.